Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Alors aujourd'hui, je suis chez MP Réseau à Argent-sur-Sauldre, dans le Cher. Donc MP Réseau que vous connaissez puisque je vous ai déjà fait quelques vidéos chez eux. C'est notamment là où j'ai fait remplacer la distribution sur la Ferrari. Donc du coup, aujourd'hui, ils font une porte ouverte. Vous allez voir que maintenant, ils sont surtout spécialisés dans l'amélioration des Alpines. Allez, c'est parti. Donc voilà, nous y voilà, la MP Réseau. Sont surtout reconnus maintenant spécialisés dans l'amélioration des alpines, donc ça je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Donc du coup là aujourd'hui c'est la porte ouverte, donc on va regarder tout ça en détail. Alors avant d'aller voir à l'intérieur, on va déjà faire un petit tour à l'extérieur parce que là déjà on peut voir qu'il y a des voitures bien sympas ici chez MP Réseau. Donc on est à Argent-sur-Sauldre dans le Cher, et donc là on en a une déjà première alpine. Alors, il y en a plein hein. Donc celle-ci, c'est une A110 S. Voilà. Dans une couleur pas très courante. Hein. Donc l'orange comme ça. Avec le petit aileron comme ça, enfin le béquet même en carbone. Le toit en carbone. Voilà. Donc voilà, à côté, on en a une autre donc en bleu nuit. Très jolie. Alors c'est quel modèle celle-ci? On va regarder ça derrière. Ah, c'est une GT celle-ci, donc c'est un peu plus typé confort, entre guillemets, on va dire. Ensuite, nous en avons une autre ici. Donc voilà, modifiée également, a priori, donc par MP Réseau. Avec pas mal d'autocollants. Après, on en a une jaune. Ah, bah, y en a plein en fait des jaunes là. Là, elle fait un bruit sympa, hein. Pas sûr que les échappements soient d'origine. Bon, celle-là, elle a été pas mal modifiée. Vous pouvez voir que là, vous avez des extracteurs d'air ici, donc en fait, qui va évacuer les turbulences qu'on peut avoir entre le pneu et l'aile. En fait, voilà, donc ça s'évacue ici. Ça participe aussi au refroidissement des freins, mine de rien. Là, on peut voir qu'il y a aussi des petites, je sais pas comment on peut appeler ça, des passages d'air. Là, on a une lame aussi sur le devant. Tout en carbone évidemment. Voilà. Le toit en carbone. Ah, les sièges sont assez sympas avec donc les harnais dans celle-ci. Donc du coup sûrement avec le système d'adaptation MP Réseau pour les harnais. Et là on peut voir que voilà, d'habitude là il y a un cache, on ne voit pas le moteur, mais ici on le voit puisque le système de refroidissement a été amélioré par MP Réseau. Hein, on le voit tout de suite là-bas. On peut voir une pièce donc, qui a été usinée en aluminium. Là on a donc un aileron aussi assez énorme en carbone. Il n'y a pas que des Alpines chez MP Réseau. Hein. Donc là on a une Viper GTS, première génération de Viper, un monstre avec un V10. Et celle-ci a été là aussi pas mal améliorée par MP Réseau puisque c'est quelqu'un qui fait pas mal de circuits, qui est propriétaire de cette voiture. Donc voilà, je sais qu'il m'avait expliqué quand j'étais venu. D'ailleurs, je vous l'avais déjà montré celle-ci dans une vidéo. Donc, je crois que là, en dessous de mémoire, là, je crois qu'il y a des ventilos qui ont été rajoutés à l'arrière. Parce qu'à l'avant, ça ne marchait pas très bien. L'intérieur est assez joli dans celle-ci. Ils ont amélioré les freins dessus. Enfin voilà, ils ont amélioré pas mal de choses sur cette voiture. Là, on a encore une Alpine A110. Alors, je vais regarder parce que moi je ne sais pas les reconnaître de devant. Hein. C'est une S celle-ci. Donc, avec le petit aileron. Sympa en blanche aussi. Une autre blanche là. En fait, il y a plein d'alpines quand même. Hein. Une jaune. Alors, c'est pas le jaune Sirius, hein. C'est un jaune plutôt tournesol là. Et après, on a deux petites Mégane 2RS que je connais très bien. Voilà. Encore une Alpine ici. Une petite Alfa Romeo, la coupée Burton. Encore une Viper GTS. Donc celle-ci est magnifique. Ça, c'est vraiment sympa. Bon, ça doit être inconduisible, mais c'est sympa. Alors, à côté de la Viper, là, on reste dans les américaines avec cet énorme Cadillac. Avec une casquette, là, ça tombe bien. Il y a pas mal de soleil.
Alors par contre, je connais pas le modèle de cette Cadillac. Ouais, je ne saurais pas vous dire ce que c'est comme modèle. Si vous le savez, dites-le en commentaire. Et à côté, donc, on a une Alpine encore, hein, pour changer. On peut voir que celle-là, elle a carrément une barre là en travers. Pour bien stabiliser. Ah bah oui, elle est carrément ressautée celle-là. Ah oui, bah là c'est du lourd là. Je l'avais pas vu, mais en fait il y a une seule place dedans et pas de siège là sur le côté. Là, je sais pas ce que c'est, si c'est du noce ou quoi, il y en a une bouteille. Ah ouais, là c'est un truc énervé là. Elle aime pas comme moi. Je sais même pas. Alors nous allons maintenant entrer dans l'atelier. Alors c'est assez bruyant, j'espère que ça va aller au niveau son. Et donc là on a déjà une belle Alpine jaune avec le toit noir. Alors c'est pas la version spéciale qui faisait référence au rallye de Corse, mais elle est sympathique quand même cette configuration. À côté nous avons une orange, ça change du bleu, hein, ces deux couleurs là. Et à côté là je vous laisse deviner ce que c'est, mais moi je pense que je vais deviner là, c'est assez facile. Ferrari Mondial. Je suis quasi persuadé que c'est Mondial ça. Ouais, c'est sûr. Voilà. Alors là ensuite nous avons, je pense, une des voitures, une des Alpines de MP Réseau là, qui est le plus abouti. Celle-ci, où là vraiment ils ont tout amélioré. Hein. Donc là on peut voir déjà, bon, il y a des lames avant en carbone, le capot en carbone ici, les jantes qui m'ont tout l'air d'être des jantes MP Réseau, ouais, je confirme. Donc là on va voir après l'usinage de ces jantes. Là on peut voir pareil des extracteurs d'air donc, qui pour évacuer les remous, qui participent aussi au refroidissement des freins, etc. Là aussi pour diriger l'air de la voiture vers l'extérieur. Le toit qui n'est pas en carbone a priori. Après elle est assez sympa la config avec le drapeau français là qui traverse la voiture. Alors du coup celle-ci elle est ouverte, alors c'est un peu la vitrine de tout ce qu'ils font parce que là il y a quasiment, enfin il y a même toutes les pièces au catalogue. Donc voilà, on peut voir le système de refroidissement. Donc là on a trois ventilateurs, ils ont bien amélioré. Donc prochaine étape, parce qu'ils continuent à améliorer, donc ça va être toute cette partie-là de la chaleur. Hop, derrière, un échappement hein, qui pétarane un peu. Voilà, alors le moteur là pour l'instant il fait 310 chevaux et ils vont voir pour reprogrammer pour la prochaine saison pour encore augmenter la puissance. Donc cette voiture là je ne vous l'ai pas dit mais elle a battu le record de l'Alpine sur le Nürburgring hein, quand même, hein. Donc grâce à MT Réseau. Là pareil, donc tout ça donc, c'est l'aileron de la GT4 sauf que ils ont rabaissé un petit peu, un peu moins haut que sur la GT4 pour des raisons, enfin pour pas abîmer le châssis en fait. Donc du coup, tous ces supports-là, c'est en alu ionisé. Donc ça, c'est en alu. Donc c'est fait chez MP Réseau, donc spécifique pour pouvoir avoir l'aileron un petit peu plus bas. Donc l'aileron, bien sûr, en carbone, qui par contre, celui-là n'est pas fabriqué ici. Après, donc on retrouve là, donc, les jantes MP Réseau. Et après, donc à l'intérieur, donc là, ils ont tout dépouillé pour vraiment l'alléger au maximum. Donc on peut voir qu'ils ont tout enlevé, hein, moquette, etc. Ils ont remplacé les sièges d'origine par des Recaro, baquets bien sûr. Là derrière on peut voir qu'il y a du carbone, etc. Et donc pour adapter ces sièges-là, ils ont usiné ces pièces-là. Et donc c'est boulonné sur la caisse. Donc c'est réglable, mais il faut dévisser et avancer. Enfin voilà, il n'y a pas de rail comme on a dans le moteur classique. Et là au milieu, donc on peut voir que toute la console là, a été enlevé hein, pour remplacer par celle-ci en carbone, donc fabriquée ici, découpée au jet d'eau, hein. Donc, voilà, sous pression. Après, il y a un système aussi d'extincteur, etc. à l'intérieur. Et après, voilà, ils ont vraiment les yeux au maximum. Alors, attendez, je vais essayer de m'installer. Voilà, donc là, je suis assis au volant de cette Alpine et donc, ouais, on est super bien calé hein, dans les baquets, là. C'est raide, hein, je pense qu'on ne peut pas faire des kilomètres là-dedans. Hein. Mais bon, c'est pas le but. Donc voilà, on peut voir que là, toute la console est spécifique. Là, on peut voir, voilà, Alpine A110, MP Réseau, voilà, le Nürburgring. Donc voilà, là, on a des informations en plus.
ici, alors j'ai pas le détail de ce que c'est, mais bon voilà, tout ce bloc là, on voyait bien que ça ressemble pas du tout à l'origine. Là ils ont tout désactivé, hein. Ils ont tout enlevé, il n'y a plus rien, il y a juste le support comme ça, mais donc il n'y a plus d'écran. Donc tout ça pour une question de gain de poids. On retrouve bien sûr les palettes, hein. Grande palette, c'est vrai que ça tombe sous la main, là, c'est super. Et donc bah là on a le volant Alpine avec le petit bouton sport ici, hein. C'est pas le bouton start comme chez Ferrari, le bouton start il est là. Alors ici nous sommes au cœur d'une machine qui va usiner les jantes donc pour les Alpines, des jantes qui ont été dessinées spécifiquement par MP Réseau. Donc là voilà, en fait on part de blocs comme ça, qui sont creux à l'intérieur, hein. Donc là je peux vous en montrer un ici. Voilà. Donc ce qu'ils font, c'est que là déjà ils font les premiers perçages pour être aux dimensions de l'Alpine. Et après, il y a un robot ici, un bras, qui vient prendre les blocs ici pour les emmener dans la machine qui va usiner la jante. C'est une machine 5 axes. Alors là c'est en démo, donc là c'est, évidemment là ça usine pas vraiment, c'est juste pour montrer un peu comment ça se passe, parce que vous imaginez bien que quand ça usine vraiment, là c'est fermé, on a de l'huile, etc. Donc en fait on voit pas grand chose. Voilà, là c'est juste en démo pour vous montrer. Donc là, cette jante là, il n'y a pas besoin forcément d'une machine en 5 axes, une 3 axes pourrait suffire. Mais pour un autre modèle de jante qu'ils ont développé, pour gagner du poids, parce qu'en fait c'est la base, hein. Le but c'est vraiment de gagner du poids. Avec la 5 axes, ils peuvent aller creuser encore plus dans les recoins pour vraiment grappiller le moindre kilo. Enfin le moindre gramme même, là on n'est plus en kilo. Donc bien sûr la jante est en alu. Hein. Donc voilà, donc ça c'est impressionnant, des machines 5 axes, c'est assez rare quand même dans l'usinage. Bon, après là, on a tout la machine pour commander tout ça, et ouais je trouve ça impressionnant. Donc le robot, donc après une fois que c'est terminé, ça va reposer la jante là-bas. Donc voilà, après la jante terminée avant peinture, là, donc, tout en alu. On peut voir que c'est super joli. Hein. Là on a le petit MPR pour MP Réseau. Et donc sur ces jantes, on va gagner, enfin on va passer je crois de 12 kg à 7 kg. Donc ce qui fait qu'avec l'inertie, on arrive à gagner sur les 4 jantes, enfin, en tout, si on additionne tous les 4 jantes avec l'inertie, 120 kg en roulant. Donc c'est énorme. Alors, on peut voir qu'MP Réseau ne fait pas que pour l'automobile. Donc là c'est une hélice de bateau qui est usinée. Donc ça déjà c'est impressionnant, hein, d'usiner une pièce comme ça. Vous imaginez qu'on part d'un bloc d'aluminium pour l'usiner comme ça, là, avec des formes assez complexes quand même. On peut voir tout ce qu'ils peuvent usiner, c'est quand même assez impressionnant. On va vous montrer tout ça après en détail, on peut voir des palettes par exemple. Alors ici nous avons un moteur d'ancienne Alfa Romeo, et donc ici ils refont tous les caches culbuteurs en aluminium pour gagner du poids, et bah, du coup c'est aussi de meilleure qualité. Donc usiné entièrement ici, donc là on peut voir que c'est même marqué Alfa Romeo, assez classe. On a aussi le support moteur là, qui refait pareil pour gagner du poids et en qualité. Et un bras en T ici, pareil, donc là, qui est usiné dans l'aluminium, sachant qu'à l'origine c'est en acier. Donc là c'est beaucoup plus rigide et du coup un gain de poids aussi assez important. Là ici on rentre dans la salle d'études on va dire. Donc là on a ici à l'écran une nouvelle jante donc, qui va sortir bientôt pour Alpine. Et là la jante que je vous ai montrée en train d'être usinée, enfin simulation d'usinage tout à l'heure, donc là c'est la jante complètement terminée, peinte. Voilà, donc, et donc MP Réseau travaille aussi beaucoup sur l'amélioration du refroidissement des Alpines pour éviter que ça fasse comme dans Top Gear, hein, que ça prenne feu. Donc du coup là on a le système d'origine. Et là, donc, ce qu'ils vont faire, donc, c'est qu'ils refont du coup cette pièce-là, donc entièrement ici, avec ici, alors j'ai perdu le nom, il faut que je leur redemande. Donc ça, c'est l'ancienne génération du coup de pièces qu'ils vont venir mettre ici. Et là, ils sont en train d'en développer une nouvelle. Et donc pour étudier l'encombrement, donc ils font pour l'instant des pièces imprimées en 3D. Donc juste voilà, en prototype, avant de les usiner. Donc ça veut dire qu'après ils vont usiner cette pièce là en fait entièrement. Voilà, donc là c'est des protos.
qui sont imprimées ici, donc avec une imprimante 3D. Là, voilà, on en a une qui tourne ici. Hop, je ne sais pas si on voit mieux là. Ouais, donc c'est vraiment intéressant. Et du coup, ils continuent à améliorer, puisque donc la boîte à air d'origine, c'est celle-ci. Et là, ils vont la remplacer par celle-ci. Donc ça, c'est un proto, hein, là aussi. Donc voilà, ils continuent encore à travailler pour améliorer encore plus le refroidissement de l'Alpine. Et après, bah voilà, on peut voir qu'il y a d'autres pièces comme ça qui sont exposées pour améliorer donc le refroidissement. D'autres pièces ici. Donc voilà, c'est quand même impressionnant de se dire qu'on part d'un dop comme ça pour après usiner les pièces dedans. Hein. Alors ce qui est bien aussi chez MP Réseau, c'est qu'ils font des pièces pour pouvoir adapter des harnais dans les Alpines. Donc là, on peut en voir ici. Donc c'est des pièces vraiment spécifiques, hein, qui permettent justement voilà, d'installer des harnais. On vous montrera ça plus en détail sur une voiture, ça sera plus simple. Donc ici, on a une autre machine qui fonctionne, celle-ci. Alors bon, là, elle est à l'arrêt, mais sinon, voilà, une machine d'usinage avec ici donc les logiciels qui vont bien. Alors ici, on est dans une pièce qui est assez intéressante aussi, puisque là, donc, ils fabriquent aussi des chapelles d'amortisseurs. Et donc on part d'un bloc comme ça en aluminium. Donc c'est en plusieurs étapes. C'est usiné déjà une première fois pour arriver à cette pièce-ci. Et après, donc on ajoute encore plus pour vraiment l'alléger. En fait, c'est le but, hein. C'est que déjà bon, c'est plus costaud et c'est allégé. Là, vraiment le but, c'est de gagner du poids pour arriver au final donc à cette pièce-là. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a des moules, puisque les petites pièces en carbone sont réalisées entièrement ici. Donc là, on a des moules en fait. Et après, donc, ils font les pièces en carbone, voilà, comme ça. On sent que c'est solide et hyper léger. Hein. Donc voilà, du coup, vous pouvez voir hop, le moule, du coup, ce que ça donne. Et là, cette pièce-là, en fait, d'origine, donc ça va apparemment sur une Cobra, si j'ai bien compris. Ça fait 10 kg. Et là, franchement, ça pèse rien. Ça, c'est de carbone, quoi. Et donc, c'est chauffé dans ce four-là. Donc à partir de carbone, de feuilles de carbone en fait, pour les mouler et arriver à la forme qu'on veut, donc ici. Voilà. Donc là voilà, par exemple, on a une feuille, un rouleau de feuilles de carbone. Mais après voilà, on a plusieurs moules pour voir, bah, par exemple, voilà les pièces, les extracteurs d'air que je vous ai montré sur les ailes, là, bah, voilà, là on a le moule pour réaliser cette pièce. Donc c'est intéressant de savoir qu'ils font aussi eux-mêmes leurs pièces en carbone, enfin les petites pièces en tout cas. Ensuite ici, donc, je vais vous montrer différentes étapes pour réaliser les palettes, puisque donc, c'est aussi leur spécialité, c'est de faire des palettes spécifiques qui sont plus ergonomiques et plus légères. Donc là, on gagne du poids partout, hein, jusqu'aux palettes, hein, avec MP Réseau. Donc du coup, on part d'un bloc comme ça en aluminium. Après, on a cette pièce-là. Voilà, donc petit à petit, on tend à arriver jusqu'aux pièces. Alors je sais qu'ils ont plusieurs sortes de palettes avec différents designs plus ou moins allégés, et donc on a ce modèle ci donc voilà, on peut voir qu'il y a des petits trous là, enfin en fait pour avoir un meilleur ressenti là, au niveau des mains. Et après voilà, on a des palettes beaucoup plus grandes que celles d'origine ici, là en bleu ajouré pour gagner du poids, hein, comme je vous ai dit. Et voilà, beaucoup plus classe, beaucoup plus design. Et ces palettes, donc, elles ne sont pas peintes à la bombe ou quoi que ce soit, hein. C'est trempé dans un produit et ça pigmente en fait l'aluminium. Donc voilà, c'est vraiment de la très bonne qualité. Alors là, nous avons une carrosserie, je dirais, de traction. Je ne pense pas me tromper. À côté, voilà, nous avons une Alpine à 110 et on peut voir que bah, y a plus de moteur. Alors sur celle-ci, il y a pas mal de choses qui ont été modifiées au niveau déjà du refroidissement des freins. On peut voir que tout ça a été fait, hein, donc par MP Réseau pour améliorer le refroidissement des freins. Hein. Là, on a une barre stabilisatrice qui n'est pas d'origine non plus, donc là, on a un truc qui est beaucoup plus rigide. Et après, bon, c'est fait aussi pour être assez léger.
Pareil là, pour tout ce qui est triangulation, là, tout a été refait pour améliorer encore les performances. Et donc sur cette voiture, on a aussi des amortisseurs P2S ici, qui peuvent être adaptés à la demande du client, en fait, suivant son utilisation et ses souhaits, hein, s'il veut plus de confort, un peu plus de fermeté, etc. Donc P2S fait ça, donc voilà, là, celle-ci en est équipée. Des suspensions P2S, adaptées soit pour circuit, pour route un peu plus type rallye, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment à la demande. Donc là, après, on a, il y a aussi donc, les barres stabilisatrices, donc les biellettes qui ont été allégées, réusinées ici. Donc du coup, ici, on a des disques AP Racing, donc là, c'est des disques compétition. Complètement ventilés hein, comme vous pouvez voir, et donc chez MT Réseau eux ils vont usiner la coupelle ici. Après il y a un système aussi, parce que du coup là quand on a changé les étriers et que d'origine le frein à main fait partie de l'étrier, enfin il est comme ça en plus, il a fallu mettre un leurre, donc ils ont mis un boîtier électronique qui est caché là derrière pour leurrer en fait le système, pour lui faire croire qu'il y a le frein à main. Alors il y a quand même un système bien sûr qui va venir freiner un petit peu moins fort que d'origine, mais là de toute façon c'est une voiture de piste. Et donc pour éviter qu'il y ait un défaut qui apparaisse. Après, donc, ils ont aussi usiné donc, toutes ces pièces-là, ici, là, donc, voilà, pour pareil, gagner du poids. Et si on passe à l'avant, là, on peut voir donc, ici, donc, on a le système de refroidissement des freins donc, qui arrive là, donc ça passe là. Et là, ça va se répartir partout et ressortir par toutes les ailettes. Là. Donc là, on a vraiment un système de refroidissement des freins qui est incroyable. Alors voilà, regardez là, les pièces en carbone qu'on a vues tout à l'heure, les moules là, donc elles se retrouvent ici, donc ça d'origine, il n'y a rien. Et du coup, ça refroidit encore, du coup, le moteur. Voilà, donc là, on est parti pour faire un petit tour avec, ton prénom Bruno. Avec Bruno, donc avec son Alpine qui a été amélioré par MP Réseau. Donc qu'est-ce qui a été fait dessus sur celle-là? Il y a tout, c'est ça? Alors il y a beaucoup de choses au niveau châssis, ouais. Amortisseur, barre stabilisatrice réglable, alors d'accord. Amortisseur 3 voies P2S, mmh. Tout le système de freinage a été revu en AP Racing, ouais. Pro 5000, et avec des disques sur bol fabriqués par MP Réseau, les bols. Ouais. Tu as des barres stabilisatrices réglables faites entièrement par MP Réseau. Mmh. Tu as un système pour refroidir la boîte de vitesse, pareil, ah ouais. Qui a été fabriqué par MP Réseau. Okay. Un gros échangeur. Ouais. Un catasport. Et puis voilà, après tout le système avec des boas pour refroidir les freins, pour ouais. Améliorer. Moi, je fais beaucoup de circuits ah avec oui. Cette voiture. Ouais. Voilà. C'est plus du tout pareil. Après, avec aussi un réglage châssis. Ouais. On sent que c'est assez ferme au niveau suspension. Je sais pas, suspension c'est du. Allez, la P2S3, du P2S3 d'accord. Voie. Ouais. Mais là pour te dire, elle est réglée 85% circuit, 15% routier. D'accord. Là on est en quel mode, en mode là, là je viens de me mettre en mode sport, faut attendre qu'elle chauffe un petit oui, peu. Oui, bah oui, forcément. Ah, j'ai fait un essai tout à l'heure avec un client. Ouais. Normalement tu vas avoir. On va avoir la 6K très impérative. Ah ouais, c'est bien ça. Voilà, ce qui est très très vraiment à contrôler impérativement, c'est la température de boîte avant de tirer dedans. Ah, tu vois, la température de boîte, elle est à 65 degrés. Ouais. Là, on peut rouler un petit peu. Mmh. En gros, faut pas dépasser voilà, une certaine vitesse ou monter dans les tours ouais, quand ouais. L'huile n'est pas à 60 degrés. D'accord. Ça, c'est la vie de la boîte et, de, ouais, ouais. Et du système de double embrayage. Là on a l'échappement d'origine, c'est ça? Non, non, ça c'est non. Un échappement titane qu'il y a dessus. Ah d'accord. Oui. Ah, pas elle a une carto quand même, cette voiture, elle a été revue. Ah ouais. Du coup elle fait combien de chevaux là? 309 chevaux. 309. Donc là on est vraiment au maxi de ce que peut faire MP Réseau, il me disait à peu près. Hein, ouais, 309. Pour l'instant, alors, je suis toujours avec un turbo d'origine. Hein. Oui. Après on peut monter un petit peu, mais là on passe dans des frais, voilà, il faut mettre entre 5 et 6 000 euros ah ouais. Pour changer le turbo, faire de... On sent qu'elle est ferme, j'ai déjà conduit une Alpine comme ça, et là on sent quand même que c'est plus ferme que la normale. Hein. Ouais. Mais bon, c'est... Je trouve
trouve que c'est ferme, mais c'est pas une balle de ping-pong, je veux dire. Non, mais D'ailleurs, j'ai emmené un client qui a une S2, et elle m'a dit, ma voiture est plus dure d'origine que celle-ci, tu vois. Mais bon... Après, moi, j'aime bien, justement, que ça soit ferme pour sentir vraiment la route. Mais là, c'est... Tu sais, les passages en courbe, la direction, le... La route en plus elle est un peu déformée, mais bon, ça la route ça comment elle est. Allez, petit retour d'échappement, c'est sympa. Moi j'ai eu beaucoup de voitures dans ma vie. Ouais. Par exemple, en montagne c'est insuivable. Ouais. C'est insuivable. Bah, d'où son nom Alpine. À la base, je crois que ça vient de là, hein. C'était une voiture qui était. À l'échappement, c'est sympa, les petits pétarades. Et du coup, on sent vraiment une amélioration en refroidissement, etc. Là, il n'y a plus de problème. Quand on fait du circuit, là, surtout. Il n'y a plus de problème, là. Parce que le problème de l'Alpine, c'est que dès que tu vas rouler un petit peu sur la piste, si elle dépasse 116 degrés, je crois, exactement, elle se met en sécurité. Ah, d'accord. Et quand tu retournes, bon, lui, il est foutu parce que lui, elle a pris une température plus élevée. Moi, même en usage intensif sur la piste, je dépasse pas 103, 104 degrés. Ah oui. Là, si j'avais pas le radiateur, en roulant comme ça, on serait déjà à 100 degrés là, dans la boîte. Ah ouais, donc c'est vachement efficace. Voir qu'elle est signée par Jean Agnotti. Jean l'avait signé. Ouais. L'Alpine un peu modifiée par l'entreprise LP Réseau, il n'y a pas photo, c'est vraiment. C'est pas la même voiture. Et tu vois, allez, je vais te faire un petit peu, bon, tu vas pas le voir un truc, mais je vais freiner, tiens-toi un petit peu quand même. Je vais juste te faire voir un peu le système de frein. Ça freine. Et encore les pneus, pour vraiment freiner fort, il faut que les pneus soient en température. Oui, oui, parce que là, en gros, c'est les pneus, comme ils décrochent un peu, à cause des freins sont tellement puissants que ça te fait déclencher l'ABS un peu plus fort. Mais autrement, quand les pneus sont entampés, c'est vraiment... Donc du coup, la voilà de l'extérieur, donc une belle jaune. C'est un jaune tournesol. C'est une couleur édition. Une comment? Couleur édition. Couleur édition. Oui, couleur. C'est vrai que c'est une française, faut parler français. Donc là, d'origine, elle est comme ça, avec le noir, D'origine, tu as, elle sort jaune avec le toit carbone. Ah oui. Et moi, j'ai fait faire un PPF carbone sur le capot, sur les rétros et sur la malle arrière. D'accord. Et ici, j'ai habillé ça aussi en noir. À la base, c'est jaune. Ah ouais. C'est jaune. Je pense qu'il y avait un peu trop de jaune à mon goût. Ouais. Voilà, je l'ai un petit peu personnalisé. En jaune, il n'y en a pas eu beaucoup, je crois. Au départ, elle n'était pas... Non, je pense qu'il y a eu moins de 300 voitures pour l'Europe. Je crois qu'elle n'était même pas en couleur catalogue au départ. Non. Ils l'ont rajouté après. Ouais. Donc, c'est la couleur édition, c'est sorti entre 2020 et 2021. Ok, donc là, celle-là, elle a les jantes MP Réseau, donc là, en noir. Donc après, niveau... ce que tu disais, c'est que niveau esthétique, tu n'as pas voulu mettre tous les ailerons, tout ça. Non, moi, j'ai voulu qu'elle reste sobre, comme une Alpine classique, avec une tenue de route, un freinage, en mode Un peu plus de moteur, voilà, pour faire du circuit. Oui. Mais j'ai pas voulu l'aéro, je pense, sur les circuits français. Ouais. Il faut rouler à l'étranger, au numbering, pour mettre un gros kit aéro. Et je voulais pas qu'elle ressemble à une GT4, je voulais qu'elle ressemble à une Alpine classique. D'accord. Voilà. Après, donc, voilà, là, on entend bien qu'elle se refroidit. Mais après, à l'intérieur, c'est classique. Hein. Support harnais. Les supports harnais MP Réseau, qui sont là derrière, je ne sais pas si vous les voyez.
Du coup, ça donne la possibilité de mettre un harnais, parce que sinon, d'origine, en fait, il n'y a pas la possibilité de mettre un harnais. Elles ne sont pas de harnais. Il n'y a que les nouvelles aujourd'hui, les nouvelles S2, qui on peut avoir un petit harnais d'origine. Et du coup, elle a les palettes MP réseau aussi, voilà. Donc là, celle-ci, c'est les pleines. Elles existent aussi en majorité. Oui, bah après, voilà. Les goûts et les couleurs. Hein. Ouais. Alors, tu ne le vois pas, mais ce que tu entends là, c'est le refroidisseur de boîte. Tu vois ici qui a été. Ah, c'est le refroidisseur de boîte, ouais, d'accord. Ok. Tu as une grille ici. Ouais, ouais, ouais. Là. Et d'origine, il n'y a rien. De quoi D'origine, il y a. C'est quoi, ils ont amélioré ou c'est un rajout Non, non, à la base, il n'y a pas d'équipe. Il n'y a rien du tout, ouais, d'accord. Ouais. Ok. Bon, bah, intéressant. En tout cas, ouais, on sent. Bon, alors, moi, je l'ai essayé. L'Alpine, c'était peut-être il y a au moins deux ans, voire plus. Mais dans mes souvenirs, c'était plus souple que ça. Là, on sent quand même qu'il y a une amélioration déjà au niveau rigidité de la voiture. Et puis bon, bah là, niveau refroidissement, effectivement, c'est flagrant. Ouais. Bon, bah, on est reparti. Bah voilà, on est reparti. Donc là, voilà, dans ce beau cadre de l'étendue puits qui est pas très loin de chez MP Réseau. Ouais, c'est ferme, mais ça reste confortable, on le sent. Ah, puis on sent que c'est au scalpel, hein. Ils sont bien, ouais, voilà. C'est scotché. Jamais, dis-toi, si je veux rester à la corde de l'herbe, là, ouais. Elle va pas. Voiture, elle est hyper précise. Ouais. Je veux dire, elle est. Ah bah, de toute façon, Renault Sport a toujours été fort là-dessus. Hein. C'est... Bah, j'ai une Mégane 3 RS. Ouais. Ouais. C'est au scalpel. Comment je veux dire, tout est dans les suspensions, dans les barres stables. Ouais, ouais. Et après, le réglage de géo. Parce qu'elle a un réglage géométrie, le poids aux roues et tout ça. Ouais. Moi, elle pique un peu du nez. Je veux dire, elle est un peu. On a retravaillé un peu le switch de la voiture. Ouais. Elle est un petit peu plus basse de l'avant que de l'arrière. Ouais. Ça frotte pas, non? Parce que là, quand je vois des fois, vous allez un peu sur le bord, moi j'aurais peur que ça frotte. Ah non, non, ça frotte pas. Non, ça va. Ouais. Parce que j'ai pas d'aéro, hein, si jamais. Oui, l'aéro. Oui. Ah bah oui, avec la lame à l'avant. Ouais. Intéressant, c'est surtout les vitesses et passages en courbe. Ah ouais. Pendant ces voitures-là. Elles sont point faibles, elles sont point fort. Ouais. Aujourd'hui, c'est les vitesses en passage en courbe et les freinages. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Parce que là, en gros, ça va chercher les grosses voitures. Oui. Vraiment au freinage et les passages en courbe. Parce que les passages, ça va passer à 160. Ouais. Et pourtant, la voiture qui va faire 500 choix. Là, ça marche quand même. Hein. Pèse combien celle-là du coup? Alors avec toutes les... On arrive à le poids d'une R. D'accord. On est à 1082 kg. Ouais. On a gagné beaucoup de poids alors sur les roues et sur les quatre jantes. Oui. On a gagné le poids sur la batterie. Ouais. On a gagné le poids sur le catasport, l'échappement, les amortisseurs. On a les chapelles d'amortisseurs, sur toutes les pièces que fabrique MP Réseau, voilà, tout le catalogue. Ils fabriquent de la pièce forgée, avec un aluminium très performant, et surtout c'est un gain de poids aussi sur plein de choses. Ouais. Et au total, du coup, parce que j'ai plus en tête le poids d'une Alpine standard. Ça fait 1100, à la base on a gagné pas loin de 75-80 kg. D'accord. Ça doit faire entre 1150 et 1160 kg, ouais. Une couleur édition. Ouais.
couleur et du son, c'est une version standard de l'Alpine. Hein. Il y a pas c'est une S, c'est une série. En gros, c'est une série limitée. C'est une série limitée qui n'est pas numérotée, mais ils ont sorti en 2020-2021. Ouais. Une jaune tournesol. Oui. Comme les berlinettes dans les années 70. Okay. Il y avait les bleus et les jaunes. Ouais. Voilà. D'accord. Voilà, on se remet en normal. Si je ferme la valve. C'est une petite télécommande exprès. Voilà. Ouais. Et en gros, ça devient une voiture de tout le monde. Hein. Tu peux faire tes courses avec, tu peux partir en week-end. Avec le coffre qui n'est pas très grand. Ouais, mais bon, tu peux quand même mettre devant, tu as quand même la place de mettre deux sacs de sport. Ah oui. Et derrière, tu en mets un, ça fait trois. Ouais, tu peux mettre un peu de choses ici et ici. Un peu derrière. Là, pour partir en week-end avec mon épouse, moi ça le fait. Hein. C'est pas, c'est vrai. Ouais. C'est pas catastrophique. Hein. Oui, oui. Ouais, y a pire. C'est une voiture, en gros c'est un couteau suisse. Ouais. C'est une voiture qui est hyper polyvalente, française. Ouais. Déjà, parce que pour avoir des sportifs français, c'est compliqué, hein, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Bah non. Ouais. Bon, après ce qui est dommage, c'est qu'ils vont passer en tout électrique a priori. Donc, Ouais, c'est pas encore demain, c'est en 2027-2028. 2027, hein. Ouais. Bah, j'espère que ça sera jamais. Ouais, je trouve ça vraiment. C'est plus du tout dans l'esprit d'Alpine. Quoi. Mais est-ce que ça un jour ça se fera? Non, parce qu'il y a des bruits. Oui, enfin, voilà, moi j'y crois pas au tout électrique. C'est pas si possible. Demain tout le monde roule dans l'électricité, on n'a pas. Ah ben non, il faut faire remarcher les centrales nucléaires. Oui. Hein. Enfin, moi j'y crois pas ce qu'il va le faire pour 2035. Moi je suis sûr qu'on va revenir en arrière. Je suis quasiment persuadé que. Et tu vois par exemple, la voiture qui est réglée 85% circuit, 15% routier au niveau des suspensions, là on est dans un chemin vraiment terrible. Ouais. Hein, et la voiture, c'est supportable. Moi j'ai eu des Golf dans ma jeunesse avec des Koni ou des Bichtein, la voiture c'était pas comme ça. Hein. Ouais. Non, ça va. Ouais. Bon, là aujourd'hui je suis venu avec ma petite Smart Roadster. Bon bien voilà pour cette porte ouverte chez MP Réseau. Donc comme vous avez pu voir, c'est vraiment super intéressant techniquement comme entreprise, c'est super pointu. Ils font du très bon travail hein, d'usinage, là, c'est un truc de malade. Vous avez vu, ils optimisent vraiment tout sur l'Alpine. Ils vont vraiment tout regarder, hein, refroidissement du moteur, de la boîte de vitesse, allègement, amélioration du freinage, amélioration aussi de l'aérodynamisme. Ils améliorent tout, les palettes au volant, donc l'ergonomie du coup, ils améliorent aussi. Je ne vous ai pas montré aussi, ils font des petits supports de téléphone qui sont assez sympas, usinés dans l'aluminium. Enfin voilà, ils font plein de trucs, les adaptateurs pour les harnais, enfin voilà. Si vous possédez une Alpine et que vous voulez l'améliorer un petit peu, franchement, contactez-les. C'est vraiment des super professionnels. Donc voilà, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la petite cloche. Comme ça, vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur Toute Berzingue. Allez, salut !